Bonjour à tous, bienvenue dans le 30e épisode de la série Track Day. Aujourd'hui, le cas abordé est celui de la Caterham Academy, alors avec l'accent qu'il faut. Cette voiture, vous la connaissez certainement, du moins son profil vous dit quelque chose, mais cette configuration-ci est un petit peu particulière. En effet, c'est un principe de tout le monde peut prendre la piste et participer à de la compétition automobile avec cette voiture qui est en fait une voiture kit vendue un petit peu comme la Fun Cup. Pour les résidents belges, ils connaissent bien cette discipline. En France aussi, vous avez un petit peu connu ça. Pour comprendre, c'est un petit peu l'effet Clio Cup que vous pouvez revoir un petit peu partout. En fait, vous achetez une voiture préparée et vous la mettez en compétition. Des championnats organisés surtout en Angleterre. Et c'est une voiture en fait qui est beaucoup plus joueuse que le modèle de base, qui est déjà un vrai plaisir. Je vous invite à aller voir sur internet notamment les épisodes de Top Gear où ils font une course avec le stick qui doit traverser l'usine toute l'Angleterre pour rejoindre le circuit d'Oldon Park, si je ne dis pas trop de bêtises. En tout cas, c'est un modèle vraiment sympa. Alors le skin est le seul proposé à ma connaissance et il est dégueulasse. Ça gâche vraiment beaucoup l'effet, mais bon voilà, c'est un petit peu le côté voiture amateur et on se lance dans la compétition, on veut faire comme tout le monde. Sachez que cette voiture est équipée d'une boîte 5 vitesses qui quand même développe 125 chevaux, ce qui n'est pas rien. Elle est équipée de roues de 13 pouces et elle est livrée en fait avec un kit de pneus Avon tout type de temps, donc vous pouvez vraiment vous lancer dans la compétition. Cette voiture tient un 1.26 sur Snetterton, c'est ce qui est dit sur la fiche officielle, je n'invente rien. En tout cas, si vous voulez vous intéresser à cette voiture, elle est disponible dans la description. Le circuit de Zandvoort est bien sûr disponible dans la nouvelle version d'Assetto Corsa, la 1.2.0. Donc bien entendu, pas besoin de vous le proposer. Je vous incite vivement à vous intéresser à cette voiture. Et vous connaissez la suite dans la série Track Day. Montez le son.